Salut à tous et à toutes, ici Mister. Nous nous retrouvons sur Plantera. Donc c'est un jeu sympathique que j'ai envie de vous faire découvrir, qui est pas non plus jeune. Hein. Donc je vous montre rapidement à quoi ressemble le titre du jeu. C'est un jeu très sympa qui coûte que 4-5 euros si je me trompe pas. Je vous le conseille fortement. C'est un jeu où vous récupérez du matériel comme ça, comme je suis en train de faire en fait. Et du coup c'est très marrant. C'est très fun à jouer, ça occupe, c'est du récupération de tunas quoi. Fait chaud à crever, hein. C'est très désagréable. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est chaud. Hein. Saucisse grillée, saucisse grillée, vive saucisse grillée. Bah, je sais pas de quoi on peut parler ici, c'est juste jouer un peu. Ça peut passer du bon temps aussi, hein, mais c'est surtout juste jouer en fait. J'aime bien ce petit jeu, c'est un jeu sympa à jouer comme ça. Gagner beaucoup de tunas, ne mangez sans. Trop bon. Vous voyez un peu le principe du jeu quoi. Et c'est sympa du coup à jouer à ce jeu, c'est addictif. Regardez comme c'est addictif quoi. Et c'est le principe de ce jeu quoi. Ah, regardez tout ce qu'il faut, toute la tunasse qu'on se fait. Ah, ça fait beaucoup de tunasse. Et c'est le principe de ce jeu, c'est marrant. Oui, puis dis oui. Je trouvais l'idée de partager ce jeu un peu sympa parce que jouer tout seul c'est cool, mais c'est encore mieux de partager un peu gameplay. Comme ça je vous partage un peu à quoi ça ressemble ce jeu et je vous le fais découvrir. Comme vous voyez c'est un jeu de gestion, hein. C'est très rigolo, c'est fun. C'est un peu du cookie clicker un peu dans le même style. En fait il faut juste récupérer tous les machins. Vous pouvez aussi les récupérer là. C'est très drôle quoi. Vous voyez un peu à quoi ça fonctionne le style, le jeu. Je vais t'appeler où.
Ne faites pas ça dans la vraie vie. Ne tapez pas les ouvou. C'est des ouvou qu'on doit taper, on est obligé. Sinon c'est des ouvou bêtises bêtises. C'est des ouvou bêtises bêtises. C'est des ouvou bêtises bêtises. Mais c'est pour de faux. Mais c'est pour de faux. Nous aussi on a des ouvou. Nos ouvous sont un peu moins bêtises bêtises, ils sont plus ouvou protection. Avec des yeux qui annoncent déjà à quoi ça va ressembler si tu ne fais trop ton malin. Parce que j'ai des yeux KO. C'est des ouvous morts vivants. Non. XPTDR. Avec des saucisses grillées. Non. XPTD ou des RDR. Ah, c'est clair que c'est beaucoup plus agréable de jouer avec une manette comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la manette dans le support du truc que j'avais quand j'ai acheté le pack débutant Star Fox. Vous avez une autre manette avec le machin au milieu pour mettre l'avion là. Et du coup, c'est ce que je trouve plus le autre truc de manette, la Joy-Con. Et du coup, c'est plus agréable de jouer avec des manettes comme ça que de les tenir tous les deux en main, quoi. C'est juste la batterie qui est casse-couille en fait, parce que ça joue sur la batterie, c'est à un moment ou à un autre la batterie elle est morte et du coup voilà quoi, c'est ça qui est chiant. Non non petit ou loulou, non tu t'apprêtes à faire des bêtises de ou ce n'est pas bien. Vous voyez des saucisses grillées pour tout. Attention, un ou coquin arrive, un ou coquin arrive. Un ou tentative, un ou tentative. C'est un citronné. Je sais même pas que les citrons poussaient dans un arbre. Ouais, je sais plus en fait. Non, un citronnier, je savais pas que ça existait, donc ouais, c'est ça. J'y ai jamais pensé en fait. C'est pas que je ne sais pas, c'est que j'avais pas pensé du tout que ça poussait dans un arbre. Oula, j'ai tapé quoi là? Ah, c'était un ouvou coquin que j'ai tapé, c'était un ouvou coquin. Dégage-toi. Dommage qu'on peut pas les apprivoiser, ces petits bidules. Moi j'adore les renards. Dans la vraie vie, j'ai kidnappé et je leur ferai des calinous. C'est satisfaisant, moi je trouve ce jeu. C'est ouvou faisant.
Ouais, je suis un peu une fainéante, comme vous avez remarqué, parce que j'ai utilisé le plus simple en fait. Alors que c'est les premiers de base et tout que j'ai installé là. Mais c'est parce que je suis juste une grosse fainéante de merde, hein. Faut pas chercher. C'est tellement agréable ce jeu, je le trouve vraiment fun. Des saucisses grillées, des saucisses grillées pour tout le monde. Des saucisses grillées pour personne. Vous grillez, qui apporte des saucisses grillées chez vous? Ouais, je suis niveau 25. C'est vraiment un jeu fait pour la détendre, en fait. La détente en fait, ce jeu-là. C'est pas du tout un jeu pour le combat. Hein, bon. C'est pas un jeu speed pour faire des trucs de guerre ou quoi. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, petit oui. Voilà. Ah ouais, ça j'avais vu. J'ai vu une ancienne vidéo de le radis irradié à propos de The Kairi. Au début, le mec il était vraiment méchant avec sa communauté. Après, il essaie à s'agir et tout ça. Et maintenant, il me semble que sur une autre vidéo, j'ai vu qu'apparemment il conseille. Il aide, il entretient une bonne gentillesse avec ses followers et tout ça. C'est ce que Radi Radié lui avait dit si tu continuais dans ce sens-là en 2016, il disait ça, que ça allait se casser la gueule. Bon, en fait non, parce qu'il a changé justement d'une autre manière, il est devenu plus sage dans ses façons de faire. Après moi j'aime pas du tout The Kairi, hein. Pas du tout, mais voilà, il s'est pas cassé la gueule comme... Tant mieux pour lui hein, bon. Moi personnellement pas, j'aime pas du tout cette personne là, ça fait trop banlieue et tout ça, ça me met mal à l'aise. Les gens que je comprends pas encore plus, c'est ceux qui s'amusent à essayer de le filmer en cachette, vous savez. Ça, j'ai pas compris. J'avais vu une vidéo comme quoi il y avait un gars qui le soutenait parce qu'il avait eu des emmerdeurs qui l'ont tenté de faire croire qu'il avait eu une relation, je sais pas quoi là. Quand il était en plein truc dans un hôtel en train de se baigner tranquillement. Et t'as des jeunes qui viennent le faire chier, qui viennent faire des trucs. Et en plus ils osent même pas se montrer quoi. C'est honteux. Ça c'est vraiment des gosses quoi qui. Oui petit oui. C'est vraiment des gosses qui n'ont pas de vie et qui veulent une reconnaissance et qui essaient tout partout. Toute possibilité d'essayer d'être connu quoi, même si c'est dangereux et qu'ils s'en rendent pas compte. Parce qu'en fait si vous voulez Astérion, donc B54, a eu la même chose avec un jeune à un moment en 2017, je crois que c'est. Je suis pas sûr, hein, je me trompe peut-être.
il y a un jeune qui a tenté de rentrer chez pas rentrer chez lui, mais qui a il a tenté il a sonné à sa porte. Il n'a pas tenté de rentrer chez lui, il a sonné à sa porte pour tout simplement voir s'il était là, pour voir s'il allait lui ouvrir. Kirby, lui, non, il n'a pas voulu, il a vu regarder dans le Judas. Lui, il appelle ça un autre nom, mais j'ai oublié parce que c'est pas le nom correct, hein, ça s'appelle un Judas. Et du coup, il a regardé dans le Judas, et il voit qu'il y a un mec devant qui regarde par-ci, par-là, à gauche, à droite, comme si, je sais pas, il avait volé des trucs graves et que, genre, oh là là, il faut que personne me suive. Du coup, le mec, il toque, il sent il, tout ça, et après, plus tard, quelques un jour ou deux ou je sais plus combien de jours par la suite il découvre sur le net je sais plus comment qu'il y a eu des photos de sa maison qui a fuité et tout ça et du coup Kirby 54 ou Astérion le bon maintenant le pauvre je trouve que c'est injuste pour lui il n'a rien fait surtout qu'il n'est pas genre, c'est une bonne moi je l'aime bien Astérion il est sympa il est une personne cool en plus il est dans le Fury fandom comme moi donc c'est ça. D'ailleurs, un petit coucou à toi, Astérion, si tu vends ta TV à 7, qui fait du 720p, moi je la veux bien. Si tu la vends à 40€ ou 50€, je te la prends. Bon, bah, par contre, il faut prendre en compte que je suis en Belgique, donc du côté de Mons, donc voilà. Saucisse grillée pour toi. Donc voilà, et du coup, si vous voulez, ben le mec, il a tenté de faire des photos en cachette. Comme avec The Callery, quoi. C'est pas les mêmes personnes, hein, certes, mais c'est la même tentative, entre guillemets. C'est juste pour attirer l'attention, parce que d'autres jeunes ont dit « Ouais, je le déteste ». Et du coup, il s'est dit « Ah, attends, mais eux, l'aiment pas, lui, il l'aiment pas ». Après, ça fait pas mal de gens qui l'aiment pas, j'ai l'impression. Et si j'essaierais de leur montrer que j'ai des couilles, et juste pour attirer l'attention, pour montrer que je suis capable et que je suis big boss parce que j'ai réussi, ils vont m'acclamer comme une star en disant ouais t'as des couilles toi, t'as osé aller là-bas et tout ça. Ben non, c'est pas avoir des couilles, c'est être con et être inconscient parce que et ultra irrespectueux parce que ça se fait pas en fait. Ça se fait pas d'aller chez les gens comme ça. Oui je sais ça sature, je l'entends. C'est peut-être à cause de la musique, mais bon. Sans musique, c'est moins intéressant, donc je suis désolé, il y aura... Je sais pas, il y a certains jeux où le micro a moins de difficultés à... Pourtant, mon ventilateur n'est pas activé. Mais il y a certains moments, le micro a moins de difficultés que sur d'autres jeux. Mais bon, mais j'aime pas taper petit wout 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 wout. Donc voilà, j'ai trouvé ça marrant. Enfin, pas marrant, du coup, c'est pas marrant, mais je veux dire que je trouve ça drôle dans le sens de ce que l'humain peut faire pour vraiment attirer l'attention. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une petite notoriété, avoir 1000 abonnés ou quoi, mais j'ai pas envie de faire ce genre de choses. Moi, je vais continuer dans mes envies, c'est-à-dire faire des vidéos gaming parce que j'ai un Aver Game Media Game Capture HD2 avec mon super micro de la marque Boya qui coûte que 20€ MDR, XPTDR. Ouais, à mon avis, ça se voit que ça sature assez rapidement quand il y a un souci au niveau de mélange des sons. Et mon casque et tout ça, ben, je m'amuse. Moi, ça m'amuse de faire ça. C'est du gameplay, du plaisir. J'ai que 300 abonnés. Tant pis, c'est pas grave. Ça fait le taf. Bon, ici, j'en ai 300... Oula, oh, ça gueule. J'en ai 303 maintenant. Oula. Excusez-moi. Quitter. Non, non, non. Option. Qui sait, c'est peut-être ça qui fait que ça sature, non? Je sais pas. On va faire un test. Oui. Saucisse grillée pour toi. Donc voilà, c'est marrant, c'est comique. Oui, oui, jolie paix magnifique de saucisse grillée man, qui n'existe pas, bien sûr. Après, j'ai envie de faire des trucs de partage intéressants, comme Defecator, comme Irradier, tout ça. Enfin, les gens qui amènent des trucs intéressants, je voudrais faire pareil.
Mais j'ai pas envie de pomper sur eux en fait et faire un simple pompage et montrer que c'est juste ça qui m'intéresse, non. J'ai vraiment envie d'être intéressant dans le sens d'apporter des choses et d'aider en fait, d'aider ma communauté qui viendra, les gens qui. Et être une entraide, vraiment. J'ai envie d'aider des gens, quoi, en fait. Mais sans être malveillant et sans tenter quoi que ce soit de malveillant. Donc c'est compliqué d'essayer de trouver des concepts. C'est vrai que des fois t'as envie de faire du putaclic, mais moi j'y arrive pas. Je suis trop boubou de moi. Donc ouais, c'est pas possible pour moi. J'ai pas un esprit assez, assez malfaisant pour faire du putaclic. Je suis trop sain d'esprit en fait. Je vous enverrai des saucisses grillées pour du putaclic grillé pour tous. Voilà, comme ça vous aurez des soucis. En même temps, quand vous voyez ma pépé, vous comprenez direct quel genre de personne je suis. Je suis complètement ouhou de moi. Je suis très ouhou, c'est un ouhou de moi. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment tout doux, tout gentil, tout planté aussi. Des ouhou apparitions, attention, peuvent arriver. Voilà. Et quand je dis ou apparition, c'est comme sur Discord ou si vous connaissez mon Discord pour certains, j'arrête pas de mettre des wou qui apparaissent. Mon wou bot, ce wou apparition, joli choix pour. Voilà. Les gens qui ne savent pas de quel chemilet je parle vont se poser des questions. C'est un wou joli choix pour. Voilà. C'est magnifique. C'est un choix pot de paille. Un ou très très concentré tout dans un coquin. Par contre, si vous retirez son, il y a des versions sans choix peau, là il est fâché petit ou parce que vous retirez son choix peau de ou donc il n'est pas content. Voilà. Un ou pas content. Un ou concentré quand il y a son choix peau, son joli choix peau. Oh, oh, oh. Mais par contre, si vous retirez son joli choix peau, ou pas content. Normal, vous retirez son choix peau. Non mais oh, ça se fait pas ça. Donc remettez son choix pour. Voilà. Ah du lait. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois je me foire et j'achète un terrain mais je fais pas exprès. C'est parce que j'appuie vite en fait. Le mec a grandi son monde sans le vouloir. No fake. No fake. Oh. Saucisse grillée gratuite. Pour tout. Mais n'empêche, c'est plus pratique avoir un micro-cravate que. Utiliser mon micro habituellement de meilleure qualité, mais un peu plus compliqué parce que après je vais faire un mélange, tout ça. Bon, j'avoue que c'est un peu pour ça que je fais ça, mais je sais pas trop si je vais pas m'amuser à faire quand même malgré tout de retour un peu des ajouts de montage. J'en sais rien, ça à réfléchir peut-être, mais alors l'esprit doit pas durer plus que 10 minutes, 10-15 minutes alors. Donc celui-là c'est mort, ça c'est sûr. À mon avis, il dure au moins déjà 30 minutes celui-là. Donc c'est complètement mort, je vais pas faire de vidéo sur celui-ci. Dans l'enregistrement autre que sur celui-ci. C'est vraiment une vidéo détente, hein. C'est pas du tout fait pour quoi que ce soit. Et je prends mon temps parce que je m'inquiète pas. Je sais que j'ai 12 heures d'enregistrement, hein, parce que comme j'ai dit, j'ai un haveur média. J'ai un disque dur que j'ai acheté de la marque Crucial qui fait 120 gigas, 556 en termes d'écriture. C'est un disque dur quoi. Et du coup ça, j'ai au moins au maximum, parce que j'ai mis tout au maximum, hein, c'est du 1080 30 fps, mais sans compression quasiment. Donc ça veut dire que quand ce sera sur YouTube, vous aurez la meilleure qualité qui existe au monde, qu'on peut avoir sur ce jeu, sur tous les jeux existants, à 30 fps bien sûr, parce que du coup c'est pas du 60 fps.
Et du coup, le truc, c'est que j'ai le temps, quoi. J'ai pas mal d'heures, j'ai pas de limite. Et c'est agréable parce que si je dois commencer à prendre 10 000, que 10 minutes et tout ça, c'est pas mon monde. Je ne fonctionne pas comme ça, moi. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'heures. Donc mes vidéos, c'est pas des lives, c'est des vidéos commentaires qui dureront souvent 1 heure. Mais je m'en bats les wouf plaquettes. C'est comme ça, ces vidéos dureront aussi longtemps que ça. C'est des vidéos de contenu de détente. Pour ceux qui sont intéressés d'avoir ce genre de vidéos, pour, je sais pas, pendant que vous faites la vaisselle ou quoi, ben voilà, vous avez ce qu'il faut. Vous avez une jolie vidéo de cette qualité-là pour vous. C'est gratuit, c'est cadeau. C'est de bon cœur, comme on dit. Mais oui, comme j'avais dit aussi, c'est que, comme j'ai dit, j'ai un microphone, un micro-cravate de la marque Boya. Mais le truc, c'est qu'en fait, il y a un condensateur dedans. C'est ce qui permet d'activer la pile. Parce que là, je suis en mode caméra, en fait, pour quand vous branchez le micro-cravate en prise jack sur la Vermedia, qui est une prise jack pour avoir un micro et une prise jack séparée pour avoir une entrée prise jack, en fait. Il y en a deux. Une pour un micro, un simple micro, hein, pas un micro casque. Et un simple casque, non micro casque, un simple casque audio. Et du coup, en fait, c'est ce que j'ai fait. Bon, presque fait, parce qu'en fait, j'ai cheaté, hein, je vous raconte. Pour mon casque, puisque c'est pas un micro, il y a un micro avec, en fait, le casque que j'ai, c'est un casque MSI. Ce que j'ai fait comme couille, c'est que j'ai acheté un filtreur de bruit. Ça s'appelle un truc, un filtreur de terre. C'est un truc qui filtre en fait les parasitages, les bruits de bourdonnement. Et du coup, ça fait que j'ai pu mettre que uniquement le... J'ai pu mettre un truc spécial qui filtre uniquement le son de la. Donc l'audio, mais pas le. Le micro avec mon casque. Donc du coup c'est uniquement le pris en compte et du coup la qualité est mieux. Sinon la qualité est moins bonne en fait. Parce que le truc arrive pas à passer correctement. Il s'en mêle et du coup la qualité est moins bonne. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est d'automatiser tout, quoi. Je suis compliqué, je fais toujours ça. Je suis un ouhou coquin à ma manière. Hein. On appelle ça un ouhou tentatif. Voilà, c'est ça. Je suis un ouhou tentatif. Je tente des choses. Meurs. Par contre, je vous préviens, Monster Hunter, je pense que je vais faire pareil aussi, mais le truc, c'est que je vais d'abord jouer en solo, donc il faudra un peu attendre pour Monster Hunter, pour avoir d'autres épisodes, parce que je vais un peu m'entraîner dans le jeu, parce que comme vous avez vu, je débute, je suis rouillé dans le jeu. Je pense pour ceux qui ont vu l'épisode, ils ont dû se marrer grave, parce qu'en disant, putain, le mec, il s'y retrouve pas. Et en plus, il est casse-couille avec son... Le mec en a rien à foutre, il veut juste son ronron, tu sais, son palico. Et il s'en bat les couilles du reste, tu sais. Le mec il a acheté juste uniquement pour le palico, tu sais, Monster Hunter War, un jeu qui coûte normalement de base. Bon, moi j'ai payé que 18 euros pour ce qui était en promotion. Et le mec, tout ce qui l'intéresse, c'est son palico. S'il pouvait incarner son palico, il jouerait avec son palico. Eh ben, vous allez pas me croire, mais c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'ai acheté ce jeu à la base. Je suis hyper sincère. Je voulais incarner un palico et jouer avec un palico. Parce que en fait, dans Monster Hunter sur Ultimate sur Nintendo 3DS, on pouvait incarner des palicos. Et du coup, je jouais uniquement un palico. J'avais aussi un personnage humain, mais je le laissais au placard, je m'en battais les couilles. Et du coup, je jouais en ligne avec les gens en palico. J'étais le seul à jouer en palico. Je sais pas pourquoi, j'étais seul dans le trip de me promener en chat. Donc j'étais en candiel, comme on dit.
parce que je l'ai appelé Candia, puisque c'est le nom de mon bébé à moi, c'est mon chat noir. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça, quoi, c'était rigolo. Bah oui, c'est rigolo. Mais après, j'ai compris qu'on pouvait pas. Donc j'étais un peu dégoûté, je vous l'avoue. J'en ai parlé parce que j'étais sur jeuxvideo.com. Bon, par contre, là, mon pseudo, c'est Lumi13 et pas Mister Wu. Mais c'est ce que j'explique à ces gens-là, c'est que comme c'est Lumi13 et pas Mister Wu, ben... que j'avais une chaîne et que je faisais des épisodes et tout ça, enfin voilà, quoi. Du coup, c'est rigolo. Moi, un peu trollé, pas méchamment, mais ça va, quoi. Oui, waf waf. Allez. Ça va, ça a l'air de tenir. Après, je pourrais être menteur et dire live détente et faire croire que c'est un live, mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de me dire oh là là, live détente, mais en fait c'était un live, bah non. C'est faux, j'ai pas une bonne co pour ça, surtout vu la qualité du jeu, comment il est fait, c'est cramé que ça peut pas être un live, c'est trop quali pour un live. D'ailleurs, je pense qu'on va stopper ici, hein. C'était sympa d'avoir un peu parlé comme ça et donner des petites anecdotes sympas, c'était cool. C'est vraiment pour ça que ma chaîne sert, et je suis bien content d'avoir Saveur Média pour faire ce genre de vidéo. Bon, c'est toujours chiant de devoir mettre le micro quand il fait chaud à crever parce que tu glisses avec la pince et tout ça, c'est pas facile d'aviser le vêtement, surtout que quand tu transpires comme un âne, comme un enfin, je préfère dire comme un ou sexy, voilà, un joli ou un renard, c'est plus beau, vivez les ou coquins. Bon, soit, vous avez compris, c'est compliqué. Enfin, pas compliqué, mais c'est un peu chiant. Mais c'est sympa dès que c'est mis, ça fonctionne, c'est nickel. Et en fait, j'oublie toujours que si je m'entends correctement dans le micro, puisque j'ai le retour instantané de ce que je dis dans mes écouteurs, hein, bah, c'est que c'est bon, en fait. On m'entend, c'est bon, je vais pas me casser le cul un peu autrement. Vous avez vu le principe du jeu, hein. Je pense que ça fait pas mal de démonstrations. Donc je vous dis à bientôt, bande de trucs coquinous. Comme vous voyez, c'est un jeu très très chouette, très fun à jouer, très addictif surtout. Je peux pas m'arrêter, au secours. Arrêtez, venez m'arrêter dans ma chambre, je ne peux plus m'empêcher, je vais rester éternellement comme ça. Non, je vais DDR, MDR, XPTDR, XPT ou DRDR. Je vous dis à bientôt, bande de trucs, et portez-vous bien, bande de saucisses grillées. Oui. Et ce micro est vraiment très sensible. Là, je suis quand même pas mal loin et il entend tout. Micro cravate de qualité, quoi. C'est un truc unidirectionnel, donc c'est normal. Il détecte dans toutes les directions, en fait. Donc si je fais, voilà, vous voyez, vous l'entendez partout, hein, ça. Là, je tape dans mon micro de Blue Snowballs Ice. Non, c'est dingue. Ce micro fait le taf tellement bien. Allez, à plus. Portez-vous bien. Bande de trucs.